Sultana est une femme. Elle est toutes les femmes en une seule. Mystique, noble, rusée, audacieuse, cruelle, sublime, insaisissable, que les hommes rêvent de surprendre. Moi, Rabia El Adawiya, esclave, je prie chaque jour mon Seigneur pour qu'il m'aide et me protège. Je suis née en Arabie, je suis El Khansa, j'ai tout vu, je suis Ibn Khaldoun. Moi, Roxelane, celle à l'exceptionnelle destinée, je suis la reine joyeuse. Je suis Shajrat el-Dour. Je règne. Je dirige. Je dicte. Je rassemble et je divise. Je fonde la dynastie des Mamelouks affranchis. C'est moi, Fatima al-Fahriya, qui ai donné au monde la première université dans la ville de Fès. Mon père a un sabre dans sa bibliothèque. C'est moi qui entretiens son tranchant à coups de pierre. Comme elle grince sur le fer, cette pierre, quand j'en polis la matière contre les grains de sable. C'est moi qui tranche l'air et qui assène les critiques virulentes. Riche héritière, adorée par son père, je suis née à l'âge des Lumières où les sciences rationnelles sont libres d'accès autant pour les femmes que pour les hommes. Nous sommes en l'an 950 et j'ai déjà lu Aristote, Ptolémée, Euclide. Lorsqu'il n'y a pas moyen de se divertir au dehors ni d'aller cueillir les figues au fond des jardins, je m'enferme dans la bibliothèque de mon père et je lis. Et je lis.